L'appareil photo et la caméra font partie intégrante de mon quotidien. Tout commence par des prises de vue, que ce soit des photographies ou des vidéos. Je travaille beaucoup avec les outils numériques et avec un logiciel, j'agence plusieurs vues ensemble jusqu'à obtenir un sens qui rentre dans la thématique de ma série en cours. Et puis j'évite ces photographies pour n'en avoir plus que la structure comme un squelette de l'image finale. Je la fais imprimer sur toile, puis je travaille sur cette toile imprimée en couches successives de rehaut d'encre, de dessin, d'application de différents médiums. Je développe depuis quelques années une série qui s'appelle « Là-bas, down there ». Qui traite du paysage contemporain, façonné, construit, balisé. Ce travail reflète les mutations des environnements qui sont notre cadre de vie, entre géographie et cartographie, des paysages mordus par la main de l'homme. Ces peintures, dessins, vidéos relèvent à la fois de l'architecture, de la représentation de lieux matriciels, organiques. Cette série présente des paysages chaotiques, des forêts en mutation, des chantiers désertés ou en devenir, chaos rocheux, plis caverneux, silex, grès, rides, sillons, grues, pelleteuses, engins, barrières, clôtures. Un grand nombre de strates constituent mes compositions sur toile, que je travaille à plat, au mur. Des structures photographiques imprimées, des couches successives de rehauts d'encre, de dessins, d'applications de différents médiums, eau, avec une palette minérale qui rend plus compte d'une sorte d'oxydation. Des couleurs qui évoquent une nature contaminée comme irradiée. C'est un va-et-vient permanent entre addition et soustraction. J'aime osciller entre cette palette de savoir-faire classique et les possibilités des outils numériques d'aujourd'hui. Dernièrement, j'ai fait cette installation vidéo posée au sol comme un jeu Mikado. Des prises de vue hivernales d'arbres nus et graphiques. La ramification des branches et la couleur rose se veut évoquer une vascularisation pulmonaire, un organisme qui respire. Une autre petite installation vidéo comme un théâtre. Je travaille actuellement sur une nouvelle série qui sont des photos imprimées que je recouvre partiellement de poudre de graphite mélangée à de la résine. Cela donne des sortes de paysages plombés avec une lumière métallique alchimique. Je travaille sur des dessins sur papier que j'enchasse dans des boîtes rétroéclairées. Qui crée des espaces de jeu d'ombre et de lumière, de clair et d'obscur. En parallèle de tout cela, je poursuis une série de dessins très intimistes qui veulent transformer une épreuve personnelle que j'ai vécue il y a quelques années, la maladie du siècle, pour ne pas la nommer, où j'ai tenu une sorte de chronique et je la restitue aujourd'hui en dessins, aquarelles, apaisés, délicats et poétiques.